Et yo tout le monde, c'est Godef, et juste après donc cette petite intro, vous avez vu le système, vous avez sûrement compris ce que c'est. Donc c'est un système que j'ai réalisé entièrement tout seul, donc petit tuto Redstone de reprise. Bon, ça c'est mes petits trucs, ma meuf Redstone, hein, comme d'habitude. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto Redstone, le dernier, si je me trompe pas, date du 22 novembre 2015. Un peu plus si on atteignait les 1 an et demi. donc ça fait plus d'un an largement que j'ai pas fait de tuto. D'ailleurs, c'était aussi un tuto que j'avais construit, enfin que j'avais comment dire, que j'avais conçu moi-même. Il doit pas être trop loin d'ailleurs. Bon, bref, c'est pas non, ça tarde à ce truc-là que j'ai construit également moi-même. Je vous remonte vite fait du coup. Hop, ça ouvre, vous pouvez passer. Ensuite, vous partez là où vous voulez. Et par contre, le seul petit problème de ce système, c'est que le délai est assez long. Vous voyez, il y a pas mal de temps. On va apprendre à le réaliser. On va le faire juste à côté, là, en parallèle. Du coup, je vais prendre un peu les matériaux nécessaires. Donc, le bois, c'est juste de la déco. Ça, vous verrez pourquoi, mais je donnerai plus de précision. On prend tout ça. Ça, c'est le matériel, comment dire. Important dans le sens redstone, c'est plus important dans le sens build quoi, tout bêtement. Du coup, on va se refaire rapidement une plaque, on va faire un même moteur histoire de faire à ciel ouvert aussi. Ok, donc encore un bloc, très bien. Hop, 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 hop. Donc, on a notre comment dire, notre cheminée qui va être là. Pente très important, il faut l'encadrer donc par de la. Par de la cobble, enfin par de la cobble, par de la cobble, de la stone brick, par ce que vous voulez tant que ça ne brûle pas. Enfin, ça dépend, hein, si vous êtes sur un serveur où rien ne brûle, ou des trucs comme ça, vous faites ce que vous voulez. Là, moi je fais une petite déco comme ça, là, les blocs sont pas du tout obligatoires, vous n'êtes pas obligé de mettre ces blocs là, c'est ça que je veux dire. Ici, on va plutôt mettre ça, hop. Voilà, très bien. Hop, on fait juste un petit cadre. Et ensuite, moi juste, je trouve ça très sympa. On prend des petites slabs de stone. Et ça nous permet de nous faire le conduit de cheminée. Là, il y a un problème là. J'arrive même pas à refaire une. Parce que j'ai un truc qui fait comme ça. Voilà. Ça ressemble à peu près à l'autre cheminée. Quelques détails près. Bon, en gros, de toute façon, c'est à peu près le truc de cheminée qu'il nous faut. Donc voilà, donc on a notre cheminée basique. Ça, enfin, vous la faites un peu comme vous voulez. Il faut juste que le modèle soit à peu près similaire. Et maintenant, on va passer un peu au matériel redstone. Donc, piston collant, il va nous falloir redstone logique. Redstone torche, bien évidemment. Redstone repeater. Comparateur. Hopper et sûrement des. Ah non, pas ceux-là. Bon, voilà. C'est à peu près en gros ce qu'il nous faut. Donc, niveau piston. Déjà, vous pouvez placer directement ceux qui sont logiques. C'est ceux-là. Ceux qui vont, comment dire, retirer la Nether Rack, pardon. Qui vont permettre de passer tout bêtement. Ensuite. Vous allez avoir donc deux pistons collants qui permettront de retirer les barrières qui sont là. Vous l'avez sûrement vu, les barrières se font tirer par des pistons. Et du coup, il faut deux autres pistons collants à ce niveau-là. Hop. Hop, donc du coup, là qu'il faut cacher, moi, je vais vous montrer comment je l'ai caché, mais il me semble que tu vas me dire le mur est directement. Voilà, bah, moi c'est caché par ça. Ils sont juste là. C'est caché donc par des escaliers, donc vous faites ce que vous voulez. Là, on va les laisser visibles. Donc, ça en gros, c'est à peu près le truc qu'il faut. Donc, si on met le truc quand il est ouvert, ça ressemble en gros à, hop, excusez-moi, ça. Voilà, ça c'est quand le système est ouvert. Hop, et donc, petit truc important, l'histoire des notes blocs. En fait, c'est comment dire. Si là vous voyez sûrement cette lampe, quand je clique, elle s'éteint. C'est parce qu'il y a un petit délai qui va être fait avec des hoppers. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est le délai qui permet de laisser ouvert le système.
Et du coup, si vous rappuyez une deuxième fois avant que cette lampe-là soit finie, il va y avoir un bug dans les pistons et ça risque de tout décaler. Voilà, elle vient de se rallumer. Donc le mieux, c'est de mettre des blocs, comment dire, des blocs non déplaçables par des pistons. Donc vous avez plusieurs trucs comme ça. Donc vous avez par exemple le note bloc, vous avez l'obsidienne. Enfin après, ça dépend tout dépend de votre base, hein. Mais moi, je trouvais que les note blocs se mariaient bien avec l'environnement. Ensuite, on va voir un peu le système. Ça va être un peu galère. Donc là, oui, il y a mon hopper, il y a ma torche, il y a mon piston. Je peux quand même en prendre un au cas où pour être sûr. Est-ce que ces blocs-là sont nécessaires? Ils sont pas nécessaires. Hop, comme ça vous permet de mieux voir. Ah oui, suis-je bête? Aussi très important, ces blocs-là. Des dispensers que vous allez placer juste sur les pistons, recouverts de blocs. C'est eux qui vont permettre de rallumer la nether rack qui sera ici. Je vais casser ce mur. Ça nous permettra de revenir à chaque fois. En fait, ça me permet de vous montrer. Hop. Ça, vous pouvez voir plus facilement sur un système déjà posé et ensuite pouvoir le poser. Bim. Voilà, donc on a notre mur, on a notre bouton. Notre mur, vous voyez que vous le mettez à peu près là. Après, c'est à vous de voir, ça, vous pouvez le mettre loin et mettre un délai, hein, y a pas de problème. Ça va rien changer. Donc là, on va le mettre là. Bah, même truc. Ensuite, il va descendre directement vers le bas. Vous allez voir pourquoi. Hop. Bouton en pierre. Par contre, ça, bon, déjà, c'est mieux avec le. Je sais pas si avec des boutons en bois, pour ceux qui ne savent pas si je fais la différence, c'est tout simplement parce qu'il y a. Comment dire? Il me semble que le bouton en bois c'est 1 seconde et demie, et le bouton en pierre c'est 1 seconde d'appui. Donc c'est une petite différence, mais ça reste important. Écoutez, je vais aussi casser le sol. Bah oui, ça va être important si je vais pouvoir bien vous montrer le délai qu'il y a là-dessous. Je savais pas comment faire autrement, donc. Fait un big delay avec plein de Wuppeter. Donc vous voyez que en gros, la première action qu'il va falloir faire, ça va être, hop, là c'est un escalier justement, comment dire, ça va être d'enlever le, enfin, ah, je vais y arriver, hein. Première action qu'il faut faire, si on le remet en mode fermé, si on fait comme s'il était merde. Hop. Si on fait comme s'il était fermé, en gros, il serait hop, comme ça. Hop. Voilà. Donc première action qu'il faut faire, ça va être de virer les deux blocs de stone qui sont ici. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il nous suffit d'aller là. De mettre, si je me trompe pas, moi j'ai dû le faire avec des torches. Je vais refaire exactement le même modèle, du coup je vais voir de temps en temps pour être sûr. Ouais, c'est ça, j'ai fait avec des torches. Déjà, les sont allumés, donc ils permettent de. Voilà, ça c'est la position fermée. Hop. Donc, ça c'est la première étape, c'est récupérer les blocs de stone au niveau de la barrière. Deuxième étape qui devra se faire quasiment dans la filée du truc, quoi. Si j'arrive à vous montrer comment c'est fait. Ouais, c'est serré quand même. En fait, j'ai couvert aussi, donc. Hop, voilà. Deuxième étape, juste après ça, vous le voyez pas vu que c'est de l'autre côté. Mais voilà, ça va être de faire en sorte que là le pit. Le piton, le piston aille grab les barrières et s'abaisse directement après. Donc pour ça, pas compliqué, on envoie déjà une plus petite impulsion. Hop, parce que sinon ensuite il pourra pas le but c'est qu'à la fin il repose les barrières et qu'il s'en aille pour laisser la place au bloc de stone brick. Donc du coup plus petite impulsion qui est donnée par ça. Hop, ça va faire une mini impulsion de redstone
de 1 tick, et du coup le bloc, le sticky piston va lâcher le bloc et va se rétracter quand même. Et du coup, bah là, hop, là c'est l'impulsion dernière. Là c'est la première. Et voilà. Vous avez à peu près compris parce que vous n'êtes pas bête. Non, en vrai, je sais que vous avez rien compris parce que j'explique très mal. Mais vous allez comprendre. du coup, donc là, nous, on a fait. Enfin, on a fait. Alors, vous voyez, il faut juste que je rajoute un petit truc là. Et ensuite, ce truc-là, il permettra d'activer le. Comment dire? Le délai du dada u. Je vais y arriver à vous l'expliquer. Putain, plus je vois mon système, plus je me dis, qu'est-ce que t'as fait? T'as mis tout n'importe comment. Non, en vrai, ça va. Il est assez. Hop, plus je fais des bêtises. Je casse tout. Est-ce que ça, je peux casser? Oui. Nickel. Ça permet de vous montrer, c'est. Voilà. J'ai du mal à expliquer si je vois pas moi-même mon propre système. C'est bête. Du coup, je disais que. Hop. Là, ça, bah en fait, vous pouvez le faire descendre. Enfin, vous le faites descendre un peu comme vous voulez. D'ailleurs, on va plus le décaler d'un bloc. Ça nous permettra de prendre un peu plus de. De pouvoir respirer comme ça. Ça nous permettra, nous, de mettre ça comme ça. Et ensuite de repartir sur autre chose. Notre. Ici, on repartira sur notre. Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Notre truc à un tick là. Donc, si j'appuie. Bon, rien de spécial, ça enlève juste le bloc, c'est pas non plus. Voilà. Et donc là, le truc, ça va être de faire une boucle. Petite boucle classique. Laisse un truc en bas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, boucle pour bloquer. Hein. Vous allez voir là, si je vous montre, ça va bloquer. Et je pourrai plus rappuyer. Ça va juste le laisser comme ça. Hop, c'est bloqué. Je peux rappuyer autant que je veux. Ça ne fera rien. Du coup, nous notre truc ça va être de bloquer le courant de redstone qui est là, que je le casse ou que je le bloque avec un bloc, ça va le reset. Donc du coup, petit piston, comme ça, hop, et voilà. Donc ça va être notre premier piston à activer. Donc on va voir comment l'activer, je vais vous montrer par rapport au truc à côté. C'est là où intervient ce truc là. Je sais même pas comment, je sais pas en fait, c'est une horloge à hopper. Je sais même pas si le terme est correct. Attendez, parce qu'il y a un bloc là, lui il m'a pas l'air de servir à grand chose et moi il m'arrange pas. Du coup, donc deux, pardon, pas 2 ticks plus tard, 5 ticks plus tard, notre ami l'horloge doit être activée. Donc notre horloge elle contient 23 items. 23 parce que c'est au bout de 23 items. Que avec un comparateur, ça active deux poudres de redstone. Du coup, le 23 item est très important. Il faut pas en mettre 22, c'est bien 23. Vous pouvez en mettre plus de 23, mais ça servira à rien. Voilà. Je vous le dis, ça ne servira à rien. Vous voyez que ça, on le met sur le bout là de la boucle. Ce bout là, en gros. Et on met donc bah, nos. Au nombre de tics, on avait dit 5, hein. Je vais vérifier quand même pour être sûr. Oui, en fait, je suis con, c'est 4, c'est juste j'ai compté celui-là alors que c'est celui de la boucle. Enfin bref, de toute façon, vous voyez, la boucle est un peu différente d'à côté, mais ça ne change rien. Enfin, il me semble pas. Enfin, on verra, de toute façon, si ça change quelque chose, ça sera à remodifier. Donc 4. Donc vos 4 tics, important. Vous mettez ensuite votre. Bloc avec une torche juste derrière et juste en dessous votre hopper. Donc vous, pour une horloge c'est tout con. Un hopper vers l'autre, comme ça ils se font un bisou, ils sont contents. Hop, donc ça c'est pour le hopper. Vous mettez ici un bloc, vous allez prendre un comparateur que j'ai déjà sur moi. Et donc très important, ça va être l'histoire du deux, comment dire, du deux fils là. C'est ça qui va tout faire. Oula, un petit lag. Hop, donc bien deux fils, très important. Et ensuite, vous pouvez remonter vers votre piston autant que vous voulez. Donc, deux redstone. Comme ça. Et ensuite, vous mettez un répéteur. Parce que sinon, le courant, là, si je mets là et qu'il n'y a que deux, il va s'arrêter là. Il passera pas là. Donc, ça sert à rien. Et donc, ensuite, voilà, vous allez activer votre
piston qui lui va se reset. Donc si je vous montre par exemple que je vérifie. Non, oui, pardon, très important ce truc. Oula, n'importe quoi. Hop, bah vous voyez, vous mettez. Oula, un bloc en face, un bloc juste au-dessus, et donc deux blocs en dessous. Un répéteur, cran 1, une torche juste en face, au bloc en face, une poudre de redstone, et un redstone répéteur. Ça va permettre de bloquer, comment dire, la. L'horloge, ça c'est un. Comment dire, c'est pour les horloges, en gros les hoppers, il faut les bloquer des deux côtés. Parce que si par exemple je bloque pas de ce côté là, donc ce qui va être bloqué du coup vu qu'il va y avoir la cloque, et bah l'item, je peux vous montrer, je vais vous montrer en direct, ça ira plus vite. Donc là vous voyez mon item est bloqué parce qu'il y a une source de redstone. Si je débranche cette source de redstone qui va arriver en appuyant sur le bouton, il va se passer ça. Le bloc ici, il va faire un aller-retour très vite, comme ça. Hop, 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 hop. Donc hop, je rebloque. Donc il est revenu là. Mais du coup, si je bloque ce hopper là avec de redstone qui ne peut plus faire partir un item, ce qui va se passer, c'est que les items ils vont s'accumuler. Hop, là, vous voyez, ça va. Comment dire ? Bah ça va, ça s'allume quoi. Et que ça passe à 23, hop, là c'est passé à 23. Vous voyez. Et du coup, vu que c'est passé à 23, ça a redébloqué. Enfin, ça a arrêté cette boucle là. Et du coup, vu que ça a arrêté cette boucle, bah la torche ici va revenir. Et du coup, le courant ici va s'enlever. Et du coup, ça va rebloquer ici. Du coup, le comment dire, les items vont revenir dans l'autre sens. D'où mon histoire de redstone lamp là qui est très importante avec le temps. Donc c'est pas obligatoire la redstone lamp, c'est à vous de voir. Il y a environ 8 secondes entre chaque fois où vous pouvez appuyer sur le bouton. Faut juste bien faire attention quoi. Je vais vous montrer juste après ce qui se passe quand vous y appuyez. Donc juste là on fait un petit test. On a nos 8 secondes. Qui s'écoule, c'est à peu près 8 secondes. Hein. Je sais plus, normalement c'est 8 secondes. Et ça se referme, donc très bien. Donc du coup on va passer à la deuxième partie du système qui est le fait de récupérer les barrières en métal. Donc là on a notre partie piston pour faire un tick. Et ensuite on a toute une partie où c'est un peu le bazar, je vous l'accorde, mais j'y suis un peu pour rien. Donc, enfin je sais pas comment faire autrement. Voilà, j'ai pas le niveau, je sais pas si c'est une histoire de niveau ou si on peut faire autrement. On peut sûrement faire autrement, on peut toujours faire autrement. Mais bon, du coup, là on va descendre et on va donc déjà on va faire notre accès à nos deux pistons. Hop hop hop, donc. Oui, là il n'y a rien de spécial. Et ensuite il faut juste mettre un repeater donc, qui est au bout de mon curseur, là, hop celui-là. En gros, faut penser à mettre un repeater et du coup, ah oui, notre fil descend là. Donc, on descend un peu plus bas. Hop, et on va mettre le piston à sa place. Non, plus haut, hop, voilà. Hop, donc, si je me trompe pas, c'est comme ça. Peut-être un truc dans le genre, je vais vérifier juste les tics. En tout cas, c'est bien ça. Et 4 tics à chaque fois. En tout cas, je les ai mis à 4 tics. Je le mets à 4 tics. Ça se trouve, c'est absolument pas nécessaire, mais c'est pas grave. Vaut mieux plus que pas assez. Je sais pas si en redstone ça fonctionne comme règle. Donc voilà, donc là, on va avoir notre premier. D'ailleurs, en fait, c'est bizarre. Attendez. Mais il faut bien que je mette un répéteur et pas deux. Du coup, on va pouvoir casser ça comme ça, mettre ça là. Donc, on va voir où on en est. Oula, c'était vraiment très violent. Très violent. J'aurais pas oublié un répéteur.
pas hasard. Peut-être celui-là. C'est celui-là. Hop. Hop, vous voyez, là, ça avait déjà l'air plus correct. On va attendre que ça se reset. Hop, on va remettre nos barrières et là, on va voir, ça devrait fonctionner. Hop, il n'y a plus de système de retour, donc je casse pour éviter de faire plein de bugs. Voilà. Donc déjà, il récupère la barrière. Maintenant, il va falloir la relancer. Donc selon le certain temps... qui est défini donc par le nombre de d'items dans le hopper là, donc les 20, les 8 secondes, les fameuses 8 secondes. Donc en gros, on va avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 répéteurs mis au cran 4 et 1 au cran 3. Donc, 21 répéteurs, 1, 2. On va faire une espèce de plaque et on va s'organiser en fonction. Hop. C'est là où ça devient, où ça prend un peu de place sous terre. Après, si vous avez moyen de l'optimiser, bah, je vous écoute dans les commentaires, bien évidemment. Et 1, 2. Donc si vous avez moins de l'optimiser, bah tant mieux, et je vous écoute dans les commentaires donc pour que vous m'expliquiez, limite faites une vidéo. J'irai voir sûrement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai réussi à le faire plus compact qu'à côté. Très bien. Limite là. Je crois qu'il m'en manquait 3. Ok, donc là on va tous les mettre au cran 4. Il va faire des répéteurs plus longs. Genre des répéteurs de 1 seconde, des trucs comme ça quoi. C'est déjà mieux au cran 4, je me disais. Et hop, 1 au cran 3 donc. Hop, on casse-tu. Donc là, je regarde juste si par exemple mes fils s'en mêlent pas, ils ont pas l'air. Et ensuite, il va falloir refaire une espèce de machin bidule chouette là. Pour faire qu'une impulsion. Pour qu'ils récupèrent. Pardon. Pour qu'ils l'envoient les barrières et qu'ils les remettent à sa place. Et lui qui se rétracte pour laisser la place ensuite aux autres pistons qui sont sur le côté. Vous voyez, hop, truc tout bête. Là, il y a pas besoin. Là-bas, il y avait besoin de l'espèce de, c'était assez bizarre, espèce de truc avec des répéteurs un peu partout là. Mais là, il y a pas trop besoin. Je sais plus pourquoi. Je sais plus comment je me suis débrouillé. On va essayer de se mettre. Hop. On va se mettre pareil. Hop. Donc là, ça devrait être bon en principe. Très important de mettre des repeaters, par exemple ici, ça évite de faire bugger celui-là par exemple. Parce que si vous mettez pas de repeater ici, le courant va repasser au moment où il passe là, il va repasser dans, enfin il va passer dans ce sens-là, faire n'importe quoi avec ce piston et tout. Enfin bref. Hop, on observe. Donc ça nous enlève bien la grille. On va voir si ça nous l'enlève à temps. J'espère. Ça devrait. Y a pas de raison. Pile à temps. Voilà, donc c'est juste à temps, donc on a exactement le nombre. Là, je l'ai fait un peu plus compact qu'à côté, j'ai l'impression. Donc à vous de voir quel modèle vous préférez. Ensuite, on va passer à la partie de juste derrière, là, hop, avec la Nether Rack. Donc là, il va falloir se baser sur l'ouverture et la fermeture, comme enfin, logique, comme depuis le début. Je me reprends. Mes petits trucs de redstone et mes blocs, voilà. Je suis un peu le vide. Donc,
Vous voyez, c'est basé, c'est pris sur le temps de ce truc-là. Ça, c'est ma boucle. C'est pris sur le temps de ce truc-là, avec, je crois, trois répéteurs au cran 4. C'est ça, trois répéteurs au cran 4, qui passent donc par une torche, parce que ça, c'est déjà allumé, ainsi que ça. Ça me permet d'allumer en fait les deux en même temps. Vous voyez que là, la torche, elle active les pistons et ça. Et ici, un petit répéteur pour avoir un mini délai, donc de pas grand-chose, juste le temps que ça se remette, entre ces deux-là. Ça, c'est le dispenser et ça, c'est le... Hop. Donc, on a dit cran 3, pris de là. Cran 3, c'est le temps que ça s'ouvre correctement, partout. Ensuite, mes pistons. Ah oui, okay, c'est peut-être pour ça que je l'avais abaissé comme ça. Hop, donc en fait, pensez bien à l'abaisser ici. C'est important. C'est pour pouvoir placer mes blocs pour mes pistons ici. Hop, donc là, vous placez vos trucs pour activer des pistons, quoi. Normal. Et ensuite, vous placez ici votre redstone. Un petit. Oula. Un petit répéteur cran 4, votre redstone ici. Ensuite, vous placez donc votre torche juste ici, donc qui sera activée ensuite par ça. Et ensuite, vous pouvez charger avec des fireballs. Donc les fireballs, comment dire, le craft, bah, je vous l'afficherai dans un coin là. Fireball. Parce que oui, c'est craftable, même si peu de gens en font. Mais du coup, c'est utile pour faire des petits passages secrets comme ça. Et là, normalement, si je me trompe pas, le système devrait fonctionner. On va bien voir, hein, j'espère. C'était un peu rapide, c'est vrai. Ou de la corde, mais du coup, c'est qu'il y a sûrement un truc. On attend que tout se ferme bien. Tout s'est pas bien fermé. C'est con. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que la boucle se boucle? Ah, je suis con! Oh là là! Voilà, c'est juste un problème de répéteur. Mais vraiment en plus. Juste que je suis con. Je suis con, je suis con. Ça m'énerve. Ça, c'est vraiment les erreurs à la con. Faites bien attention au sens de vos trucs. Donc on va réessayer. Hein, du coup, on aura pris 5 minutes à réparer une erreur à la con. Hop, c'est déjà beaucoup plus long. Bon, voilà, c'est le seul problème. On voit la redstone. Il y a moyen de la dévier. Mais moi, j'ai voulu faire le plus compact possible. Et c'est pas si dérangeant que ça. Ah bah voilà, ah, je me disais bien quand même. Bon bah écoutez, du coup voilà, le système est fini. Je vous le remonte rapidement. Hop, donc pensez bien à tous les répéteurs, il y a le nombre exact. Pensez bien au sens de votre répéteur. Pas le foiré comme moi, hein, un truc bête. Ici, pensez bien à mettre deux redstone et pas une ou pas trois. Bien deux si vous mettez 20, si vous mettez 23. Si vous voulez que ça souffle plus longtemps, vous pouvez mettre trois. Et dans ce cas-là, je sais plus c'est combien, c'est un peu plus, vous pouvez tester. C'est 43, je crois, mais je suis pas sûr. De tête, il me semble que c'est 43. Donc pensez bien à ça, pensez bien ici à remplir vos trucs Fire Charge, là. Il y aura le craft qui s'affichera au moment où j'en parlerai, au moment où j'en ai parlé plutôt. Donc ici, je vais vous montrer rapidement l'histoire du bug. Hop. Et oui, je suis beau. Hop, donc l'histoire du bug, je vous montre rapidement, sans casser ça, hein, juste je vous montre. Donc ça se s'ouvre. J'attends que ça se referme, et vu que vous avez vu, il y a sûrement un petit délai. Hop, je rappuie direct, vous voyez que la lampe s'était pas rallumée. Et là, il va se passer une bêtise, en gros, tout bêtement. Bah voilà, vous avez sûrement compris. C'est que ici les blocs vont pas se remettre. Donc il y a moyen de faire sûrement un système qui bloque, mais bon, c'est pas ultra gênant non plus. Écoutez, bah, moi du coup je vais refaire ça parce que j'aime bien avoir des trucs bien propres. Et donc j'espère que ce tuto vous a plu, entièrement créé par moi. S'il y a des gens qui ont fait le même système exactement, c'est vraiment pure coïncidence. Ça m'étonnerait que vous trouviez le même. Je sors de ma tête et généralement dans ma tête c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à faire des systèmes redstone parce que je m'embrouille et tout, je veux faire compact. Et en plus, bah voilà. Donc oui, j'ai oublié de préciser mon 1.11, mais bon, ça sera précisé de toute façon dans le titre.
Donc écoutez, bah, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à commenter, me dire un peu si vous avez d'autres astuces pour encore compacter ça. Je vous invite à le refaire, hein, que ce soit partout, sur vos systèmes PPFAC, etc. Des maps scénarios et tout. Donc seul problème de système, je vous dis, c'est que l'ouverture est un peu longue, mais bon, à la limite, c'est pas très gênant. Enfin, c'est pas le plus grave. Donc du coup, bah, merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait. À partager à vos amis Redstoner, à liker et à commenter. Et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!